mur, se marie avec un jeune homme. Un jeune homme. On ne voit pas trop bien, n'est-ce pas? On fait plein de critiques, c'est bizarre, regardez comme il est vieux, il est tout jeune et tout. Mais quand c'est ma mère, c'est normal. Vous avez remarqué ça déjà, quand même c'est un petit peu la mode même. Donc c'est la prochaine histoire, c'est une mamie, on va dire, qui s'est mariée avec un homme qui est très très jeune, et c'est même pas elle qui l'a voulu, c'est bien sûr, elle était quand même... C'est pas grave pour elle. Mais c'est lui qui insistait. Et il faut aussi dire que c'était quand même... la femme, elle était quand même... elle était bien riche. Et donc la plus jeune de nous, elle va vous chanter l'histoire de Baba. Baba, ça veut dire en notre langue, mamie, une mamie. Donc ça, c'est la première leçon ce soir. De la tchèque, Baba, vous n'oubliez pas. Mariana, Baba! Nesmíje můj slyšku pro peníze, babu. Ty s ní půjdeš do kostela pro velikou haňovu. Druhý půjde s mladou i ze starou babu. Uděláš si můj slyšku mezi lidma haňovu. A když s ní půjdeš do hospody, dáš si tanci vrátí, stará baba už u dveří, půjde tím mladí. Pojď mládenče, dost patr, zanech mladí těm